Est nul. L'unique chose qui est merveilleuse, c'est l'être humain. Et quand l'être humain est beau, et quand cet être humain, en plus d'être beau, il a une âme angélique. Parce qu'alors, l'être humain approche à l'ange, que c'est le but ultime de toute notre énergie cosmique. Les saisons de l'année. No comment. Les étés. Les hivers. C'est une saison merveilleuse, malgré que ma maison est aussi merveilleuse. J'ai un appartement magnifique à l'hôtel San Reyes, mais comme que el divino, que soy yo, soy muy exhibicionista, entonces resulta que, como para no pasar desapercibido, a pesar de mis bigotes, chalecos y todos los artefactos que llevo para distinguirme, aprovecho el que es Navidad para llevar una pequeña campanita, como llevan el Père Noël, con unas barbas. Y entonces, si alguien no hace atención, toca clink, 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 entonces se giran y me piden un autógrafo. Entonces, es la única manera, o sea, nadie se escapa. En ese periodo nadie se escapa. Y una cosa que es auténtica es que tuve que firmar un libro en Brentanos, y entonces exigí que me trajeran un esturgeón de plata repleto de caviar. Y entonces yo iba vestido de Père Noël con una bolsa y la gente me echaba dólares. Yo firmaba el libro y comía caviar al mismo tiempo, que eso no he hecho nunca. Pedir limosna y comer caviar. La nuit et le jour. No comment. No comment. Les étoiles. Pipi. 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 Pipistrello. 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 Mais. Il y a pas de me. Il y a pas de me. Il y a mamala, 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 mamala. Mireu si son putes les noies de Vic. Mireu si són putes les noies de Vic, les unes amb les altres. Xiribiribiri, gori, 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 s'hi fiquen el dit. I alors hi ha les altres qui diuen, més ho són encara les de Tortellà, més ho són encara les de Tortellà, les unes amb les altres. Xiribiribiri, gori, 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 se la fan llepar. S'il vous plaît, donnez-nous votre opinion sur les étoiles. Trop de cul. J'ai trouvé dans mon sommeil, au moment où la carrosse triomphale qui amène Gala à son château de Bourg, l'immortalité de l'âme
dans ce tourbillon localique qui est le trou et que les petits minuscules escargots de mer de la baie de Pobligat utilisent pour se renfermer totalement dans sa coquille et scientifiquement pouvoir vivre des milliers d'années sans besoin d'aucun métabolisme, sa nourriture dans un état d'hibernation totale. De même que l'ours, à l'approche de la saison hivernale, se bouche lui aussi le cul avec de la boue enduite d'excréments pour réduire son métabolisme au minimum et au printemps, au moment des noces de Stravinsky, ressuscité comme Walt Disney. Et surtout une matière, une antimatière. L'univers. Annihilé, annihilé, je vous en prie. Ne faites pas de compliments. Annihilé. Le cube. Au lieu de cube, cocu. Vous voyez? Cocu, cube. Cube, cocu. La liberté. Jean-Jacques Rousseau, notre grand héros espagnol et martyr, José Antonio Primo de Rivera, avait dit, cet infâme personnage, ce funeste personnage qui s'appelait Jean-Jacques Rousseau, lequel il avait inventé le contrat social, qui consiste plus ou moins à prendre une petite boîte et que les gens mettent leur opinion pour décider si il faut faire une chose ou une autre, que c'est la chose la plus infâme, puisque la majorité des êtres humains sont la majorité des crétins, mais pas des crétins de bonne qualité, parce que moi j'aime les crétins bisqueux qui bavent ce que le roi d'Espagne avait dans la cour, mais pas ceux de l'UNESCO, pas ceux de la télévision, pas ceux de la radio, etc. Alors évidemment, d'après Jean-Jacques Rousseau, c'est la majorité qui doit tout décider. En plus, cette majorité n'existe pas. Parce que vous savez très bien que dans le système américain, c'est tout décidé par des gens qui mangent des cigares et qui donnent des pourboires. Donc c'est la plus grande corruption. Tandis qu'un prince, il suffit d'être prince pour qu'il ait déjà pas besoin de mettre l'argent en Suisse, ni de faire des compagnies de télévision, ni de rien. Donc la plus grande garantie de corruption est de gluante et abominable équivoque, c'est la démocratie qui aplatit tout. C'est pour ça que José Antonio de Rivera s'était levé contre les principes démocratiques. Il avait instauré dans son cerveau des régimes qui, eux, garantissaient beaucoup plus la liberté de chaque individu, puisque dans une monarchie absolue, il y a place. C'est le roi qui garantit la diversité de ses contraires qui se trouvent en bas. Dali, peut-être êtes-vous allé un peu loin. Écoutez les protestations du peuple. Et Breton l'impie vient vous chercher. Breton s'approche de la multitude. Il récite le passage du second manifeste surréaliste qui se rapporte à la liberté comme unique valeur digne d'émouvoir. L'acte surréaliste le plus simple consiste, revolvers au poing, à descendre dans la rue et à tirer au hasard.
tant qu'on peut dans la foule. Qui n'a pas eu au moins une fois envie d'en finir de la sorte avec le petit système d'avilissement et de crétinisation en vigueur à sa place toute marquée dans cette foule, ventre à hauteur de canon. Liberté de parler, liberté de penser, liberté d'obéir, liberté de fuir. Oui, je suis catholique, apostolique et romain et roumain. Catholique, apostolique, romain et roumain. Et en ce moment, je profite de l'occasion. Et ça, il faut que ce soit répété avec tous les tons et toutes les musiques. Je suis contre l'avortement, parce que tant catholique, apostolique, général de Chardin et Schollinger et tout ça, on ne peut pas admettre qu'une chose aussi divine que le commencement d'une vie humaine puisse arbitrairement supprimer. Alors si on avait l'habitude de condamner à mort ceux qui se permettent arbitrairement de condamner les morts aux autres, il y aurait beaucoup moins d'avortements. Les protestations augmentent. Un prédicateur envenime encore les choses. Les traîtres méritent d'être découverts, ne serait-ce que par respect pour leur intelligence. Sur eux, il faut d'abord tirer à la tête, puis au cœur, ensuite aux yeux, pour qu'ils ne puissent plus jamais se récupérer dans un miroir. Yalla voyem, yalla voyem, yalla voyem, yalla voyem. Et on n'a pas fini le voyage. C'est une chose, yalla voyem. Le monde en lançant des éclats de rire spécialement écrits par Jean Cocteau. Dali peint Saint-Louis, roi de France, sur la peau de Francesca Bertini, Pina Minnecamini et d'autres, pendant qu'un groupe de musique pop chante la stupide histoire d'une demoiselle qui a cessé de l'être au cours d'un changement d'autobus. Quand j'étais petit, je voulais être une jeune fille. Quand on renonce à son propre sexe, c'est qu'on a des tendances angélique.
Sputnik. Astikedes. Mustik. Statistika. Sputnik. Astike. Petit verre. Astiko. Statistika. Sputnik. Astike. Dastiko estadistika. Sputnik. Astike. Dastiko estadistika. Sputnik. Astike. Dastiko. Statistika. Sputnik. Astike. 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 Statistika. Et puis, vite, à la maison, l'apocalypse approche. L'holographie consiste dans l'obtention et manipulation grâce au rayon laser de l'informatique des objets, lesquels, sur une émulsion photographique, produisent des interférences d'information, lesquelles, une fois restituées d'une façon adéquate, produisent une image virtuelle, mais totalement pas stéréoscopique, mais en troisième dimension, de façon que dans un hologramme cylindrique, vous voyez au centre d'une pièce un personnage, vous tournez autour et vous voyez les oreilles, pas celles de le pauvre Getty, puisqu'on l'a coupé, mais si on a les oreilles, on voit les deux oreilles de tous les côtés, et vous vous penchez par terre, vous voyez les narines, vous prenez un hélicoptère et vous voyez le haut de la tête. Un hologramme dans une bouteille d'eau minérale. Je la vois. Cet hologramme représente ma femme aimée Gala souriante. Et en ce moment, dans mes viscères, chaque molécule d'hologramme contient une image souriante de Gala. Le docteur Gabor a découvert le visage de la mémoire en remplissant de liquide les canaux du cerveau. Cette opération nous laisse sans passé, sans présent, sans futur. Je ne peux dire qu'une chose lorsque je regarde ma mémoire et la vôtre dans un hologramme immense. Dina, Dina, Dina. Allez vous faire foutre, chers camarades. Allez vous faire foutre. Foutre. Démocratiquement. Thank you.
Les chutes du Niagara ont envahi le Vatican à 3h45, heure de Washington. C'est quoi ? Fort. Cardinaux se transforme en poisson des abysses.